Son sa que la police a mené, yon rive saisi yon fusil d'assaut M16 et yon revolver calibre 38. Nan moment que la police a mené opération, sa te gen pile coup de balle qui t'a boucanté entre la police avec bandi sa yo. Gen 6 nan bandi yo qui rive perdit la vie yo. Mais grâce avec information moun nan zone nan kon edi yo kon non egg yo, yon aide la police fini par identifier bandi sa yo qui tombe et non yo. Qui non yo gagné premier les Choukan Léon qui gagne non vayan li qui est général c'est lui-même qui remplacé yon certain de frère c'est un autre bandit dans tout ça mais qui lui-même qui dans marron gagne Jean Juno gagne Ti Henri c'est lui-même c'est chef localité qui est en bas Montbin Belistan gagne Watson Joseph gagne Noël yon autre puissant chef gang dans tout ça et gagne Monsley ainsi connu la police continue chercher mais nek yo même blessé tout puisque gen qui mouri mais gen qui blessé qui tout prend la fuite qui tout prend qui marron mais y a gardé est-ce que capable jeune le nek sa yo qui n'en bas ça qui était dans boquette cousin avec la police mais qui pas mouri qui marron c'est juge de paix Milien Paulin qui t'a fait constat légal yo dans juridiction dame Marie Jean nous tendez nouvelle n'a toujours été avec information que la police rend publique sur page Facebook li la police qu'on est là à travers brigade lutte contre voler machine une unité qui est dans la police qui est le BLVV. Ils ont récupéré dans la commune Tabac, jeudi qui était 9 septembre, qui donc ailleurs, ils ont machine 4 potes qui marque c'est Toyota Rich année 2018, couleur blanche, qui est comme plaque li qui c'est LO08579. Machine ça sur l'autorité policière, l'État, ils voient les machines ça, dans la date qui était 27 août 2021, ça veut dire, bandit, alors tu prends machine ça, que tu as fait tentative pour te enlever. Yon moun ki li la coste Odlin 919 et kounya machine ça n'a pas l'air là Toyota ou ça année 2018 ça que la police saisit li nan niveau direction centrale police judiciaire poursuite légale yo d'après autorité policière yo pour moi capable finir avec information que la police rend publique sous page li apprendre que des divers agents direction centrale police judiciaire de CPJ qui a arrêté mercredi qui était 8 septembre policier ça qui est le Saint-Jean Saint-Philippe alias commandant Bobo ben il a arrêté monsieur côté monsieur Tagisanrelé implication présumée li dans fusillade qui était faite dans Delma 32 qui était la cause il n'est pas une quinzaine de monde perdit la vie c'est ça la police dit policier ça qui a arrêté qui c'est Saint-Jean Saint-Philippe qui gagne Vayan Li alias commandant Bobo mais pour y arrêter li pour présumer implication li dans fusillade qui était faite dans Delma 32 qui était causé la vie en pile monde parmi yon songe ça ancien journaliste confrère nous de radio télévision 2000 qui c'est Diego Chal et puis militant politique Antoinette Duclerc nous songe ça t'est arrivé dans la nuit qui était 29 pour l'ouvrir 30 juin 2021 passé gen policier Angelo Gentil tout qui était arrêté n'a songe dans date qui était 4 d'août passé là sous aéroport monsieur tout ta suspect est un suspect monsieur dans cadre fusillade qui était faite dans Delma 32 enquêteur de CPJ yo mettez yo là à pied d'œuvre y a travaillé sérieusement pour capable faire garder comment capable faire lumière et joindre tout pour monde qui était impliqué surtout dans cette fusillade qui était faite dans niveau Delma 32 dans la nuit qui était 29 pour l'ouvrir 30 juin passé en avance avec information yo 6h05. N'a toujours été dans la question de sécurité. C'est un pile personnalité qui a réagi sous dossier ça. Il y a un ancien parlementaire qui condamne Zach à kidnapping qui a pris dans le pays d'après analyse à Odon Bien-Aimé. Pour combattre le phénomène, ça fait une instabilité politique. Et puis, loin parti, leader parti ENA a critiqué certains acteurs qui ont demandé justice pour le président Jovenel Moïse. Pourtant, il n'a pas demandé justice pour victime massacre dans le quartier populaire avec l'autre victime. Et sécurité en côté à Odon Bien-Aimé dans micro Blaise Peterson. Nous condamner tout acte kidnapping, tout acte criminel qui fait dans pays même j'en te confesse sur Jovenel Moïse. Et d'ailleurs moi même m'a regardé avec pitié. Nous avons demandé justice pour Jovenel Moïse mais yo pas demandé justice pour Tibadjo. Yo pas demandé justice pour Nefi. Yo pas demandé justice pour Diego. Yo pas demandé justice pour Maître Dorval. Yo pas demandé justice pour massacre la Saline. Yo pas demandé justice pour massacre et Sofio Berlin et la Prier. Mais y'a pas demandé justice pour Jovenel Moïse. C'est une honte. On garde mon cas avec pitié. Si on demande justice, on demande justice pour tout crime qui commet sous le gouvernement Jovenel Moïse. On demande justice pour tout crime
équipe Jovenel la commettre, et puis pendant qu'elle a cherché justice tout pour Jovenel Moïse. Nous condamnons tout crime qui fait, nous condamnons kidnapping. Non. Et en même temps tout, pour nous combattre question kidnapping et insécurité, qui remonte aujourd'hui, c'est combattre instabilité politique d'abord. Instabilité politique, c'est chita pour nous encore. Et puis vous nous attendez nous, et puis vous cherchez un mode de gouvernance qui nous va le mettre dans le pays capable de combattre la question insécurité qui n'a pas d'amis illégal. Et dernier. Il faut que nous d'accord pour nous venir avec une proposition de décret en attendant. Zéro tolérance pour tout le monde qui a des amis illégal dans le pays. Quel que soit le ni si rouge, ni si noir, ni autorité, quel que soit le monde qui a des amis illégal dans le pays, zéro tolérance pour lui. Et puis laissez-moi après, question insécurité à kidnapping là, et la commencer diminuer. Mais pour ça faire, il faut gagner la paix, il faut gagner la stabilité, il faut gagner la sérénité dans le monde, et puis pour nous combattre l'insécurité. N'a pas les justice Kounia dans journal Megamatin gen juge Gary Aurélien qui était derrière jeudi à là ancien coordonnateur sécurité par le national qui c'est Jean la guerre civile après audition sale t'est renvoyé à cause insécurité qui gagne subi là avocat Jean la guerre civile qui s'est maître Reynold Georges continue plaider innocence à client là qui t'est fait toute sale capable pour protéger président joue assassinat maître Georges fait connaître Jean la guerre civile ben juge là en pile information cap aider avancement enquête là avocat l'ange de l'issue Joseph Félix Badio cap qui pour le bail en pile détail sous axila on écoute maître Reynold Georges dans micro collaborateur nous Jean-Philippe Massé. Moi toujours été quoi que client dans lui prenant poison rap comme moi t'ai toujours dit nous bonne connaigue qui fait affaire yo a essayé mettre sous dos client là mais le méchant fait toujours une œuvre qui le perd. Bah la vie contre vous quand même je m'attends. Mais si t'attends, bah la vie est contre vous. Pas de menti, nous pas de bluff. L'homme de Dinoa, donc il a dégagé, il a joué l'autre monde qui était ensemble avec eux, les Badjo et Kou. Ça c'est Badjo, il a joué mes souliers là, là. L'homme chante était comme pipi-pipi. Il y a un chanteur de Nick Mekmesou Badjo, regardez non. Ça là, là, j'ai vu mes souliers là. Bon, je chasse à eux, j'ai dit, on tient les liens avec une petite batterie, tout petit. Mais, Charles Tegan, dans, c'est pas n'importe qui à toi, m'a dit d'en faire, mais pas n'importe qui à toi, Charles Tegan. Quelles nouvelles questions, quelles nouvelles enseignements que j'ai déjà besoin de moi-même? Oui, oui, en plus de ça, je la joindre. Parce que, comprenez bien, c'est qui y a maintenant qui fait barrer les nerfs, fait comment ça arrive? Comment vous donnez nos bagarres avec eux, la fin de la vérité? Ils ont dit que y a des malpropres pour séparer par agent, capsule et président. Qui n'a pas eu contact avec agent? Son rôle administratif qu'elle gagne. Ni agent tout, pas de droit à aller dans le bureau coordonnateur. Donc, même côté, le président essaie de appeler la paix diable, le président du jeune, le président du lien danger. Il fait tout ça que vous devez faire. Et je n'ai pas fait tout dans la salle. Il est arrivé Dimitri, il est arrivé Amazon, il est arrivé Léon, il est Bequin, il est arrivé tout le monde bas en haut, bas en bas. Il est arrivé sur la lieu, c'est la salle à prendre que le président Moun. Donc, Mabdou Baradine, c'est ça sur ton conflit comme ça, ou comme ça, qui est dans le tête au monde. Est-ce que vous avez dit ça? Qui est-ce que vous avez dit? Donc, nous-mêmes, nous disons clairement, juge là, pour moi-même, pas qu'il y ait aucune inquiétude, ni qu'il n'y ait aucune doute de ce que le client n'a pas impliqué, ni de près, ni de loin, et même de très, très loin. Pour le client là, je pense que le juge là, finit avec, je pense ça. Nous n'y étions pas eu requête, mais on m'a levé du mandat de dépôt. Nous allons la requête encore, soit fait bas du roi, de parler avec nous. Ok? Et puis, nous avons la requête encore, ma balle, parce que nous allons faire travail là. Ma femme. 6h10. Au top côté, maître Reynold Georges, qui est avocat, Jean Laguerre civilien, juge Gary Aurélien, qui a instruit dossier assassinat Jovenel Moïse, qui bouclé audition, audition liée, puisque hier, il était tendu à ses coordonnateurs sécurité par le national, Jean Laguerre civil. Non, pour regarder la fois ça, qu'on apprend très dans le dossier politique, côté réaction, pas si c'est tombé, bon, côté divers acteurs politiques, sous question, accord, qui a parlé là, accord Montana, résolution Sénat, accord Penn, et, proposition que
et marché pour la vie fait, mais gagnent divers acteurs là qui a réagi sur question ça. Nous gagnent Renal Lubrifus qui est sur code Twitter qui écrit pour le dire que faut camper avec question super Chiri ça qu'a fait là. Seul accord que premier ministre Ariel Henry capable signer, c'est lettre démission. C'est ça, c'est un cassien. Mais question pour que lui-même, lui pense cassien ou accord pour capable lui-même diriger Jean-Dia Monocéphalan, lui m'a dit avec PM Ariel Henry Campé, ses paroles, René Lubéris. Il dit que, mais c'est conseil des ministres, non, qui capable approuver gouvernement Ariel Henry. Pour que ça fait tout, selon accord, j'ai parlé à là, mais faut qu'il y a associé ça avec Thiers Sénat, qui je dis à là, qui constitue les seuls élus pays à gagner un moment. Ça veut dire que c'est le Sénat qui a gagné des élus là-dedans. Question Ariel Henry, qui a parlé pour signer encore tout ça, bien, il n'est pas capable de faire ça. C'est l'option encore qu'on est encore démission. On avance avec réaction. Oui, c'est toujours réaction sur tweet ça. Il y a un sénateur Antonio Chirami qui a réagi sous position secrétaire général conseil ministre. Maintenant, Lubéris rappelé M. Sayo, pas gagné aucune moralité pour faire la loi dans le pays. M. Sayo complice fait référence à Renal Lubéris avec Guichard Doré. M. Sayo complice dans sa pays vivant dans le mouvement Sayo, d'après coordonnateur Matrice Libération, qui dénonçait M. Sayo qui mettait à clôt la Pidatec, Petro Caribé pour utiliser cadavre Jovenel Moïse pour faire politique dans intérêt. Un côté Antonio Chirami dans Miko Robanès samedi. Mais PHTK a pas de moralité pour la plonger doit tout le monde n'est pas qui j'en tout. PHTK c'est des criminels. Et je dis à tout libéris là montre que bataille déclenché. Tout la montre, je dis à Ariel qui doit finir si on accord et puis une décision qui prend. Et puis eux-mêmes, ils dit qu'ils ont avancé plus vite. D'accord, tu comprends. Ça veut dire, tweet là confirmé que une grande bataille qui a fait en dedans. Et nous-mêmes, peuple haïtien, nous-mêmes qui engagés, nous vivons, suivre de près. Parce que depuis Noël, il faut que nous dénoncions pour le peuple à comprendre dans qui ça lié. Depuis Noël, il faut que nous disions peuple dans qui ça a rentré. Et je dis, moi pense que les gens n'ont pas de crédibilité pour faire boucher un lien qui a fait le pays. Parce que c'est des gens avancés. Moi-même, moi vraiment, j'ai aimé qu'on ait sa vérité dans tout ça à dire pour permettre que ces messieurs qui finissent échouer dans le Parlement, on sait des ces messieurs qui finissent échouer dans le Parlement, ils n'ont pas de bilan. Je dis au senti chaque fois pour parler dans le monde, c'est non, je venais les aller, c'est comme si je me c'est ça qui est outil électoral. Je te dis à Remel, pendant ce temps, il y a un paquet de temps, pas de jambes de et puis tout, je tombe d'amour, je venais. Ça veut dire moi-même, moi pense. Moi qui a parlé. Ça veut dire moi pense, bah là, bon moment. Mon boss est avec lui? Non, même parler de tout le monde qui a utilisé le cadavre Jovenel pour faire et pour faire tout nos instruments. Moi, ça avec ancien député, oui. On va aller, non. Je parle de monde qui a utilisé le cadavre Jovenel pour faire tout nos instruments électoraux. Mm-hmm. Et nous, voyons. Nous, voyons, peuple, voyons. Peuple, voyons. S'ouvre l'élu, viens avec bilan. 6h15. N'a toujours été avec ancien sénateur Antonio Chirami qui dit li là il retourné sur assassinat Antoine Duclerc qui t'est poussé yo prend une petite pause sous scène politique nan mer par rapport à ka rêve neti pour payan li obligé retourner sous scène nan pour continuer à l'idée la victime nan pour amender justice pour victime nan qui c'est neti donc Kato dit regrette jusqu'à présent que l'an a traîné autorité au pas montrer aucun intérêt pour victime l'état tant qu'on neti moun la Saligno, jeune justice, ancien sénateur a annoncé une série de mouvements à volonté pour victimes l'État. Jeune justice, on dit bien, moun qui perdit la vie assassiné sous ancienne présidence, Jovenel Moïse. En côté, Antonio Chirami. Et dans la bataille que nous avons, la responsabilité que nous avons, c'était des grosses responsabilités. Et nous, même au niveau matrice, même genre avec la société, nous conscience, une jeune femme qui a gagné l'avenir. qui était chargé à venir devant et que criminel lui-même il mangeait ça t'est venu faire et donc il y a deux trois membres qui l'ont tiré en pétade. Mais là on vient apprendre, là nous vient chita nous garder nous dit mais non bataille ça nous pas droit camper parce que si nous camper nous c'est comme si nous touyer neti encore parce que lui-même était quoi dans bagaille et dans parole lui il était toujours dit et, qu'il parle, qu'il pas parle, il connaît dans ça n'a vive je dis hein. Si c'est pas kidnapping, si c'est pas balmaon, si c'est pas criminel, si c'est... il dit de toute façon il y en ou l'autre
la voie passée en de pays. Donc lui-même il dit que tu choisi parler pour moi qu'on est mort parce que tu as parlé des bagages qui sont censés et parole ne dit pas parler hein. Il pas de parole ne dit, il était parole défavorisée parce que ancien sénateur Antonio Chirami t'a profité expliquer choix yo fait pour signer accord Montana leader matrice libération quoi accord ça bail possibilité pour plus secteur participer dans rebâti Haïti bataille pour changement pas qu'a fait seulement classe politique là Antonio Chirami fait connaître tout document ça gain la revendication population tant que justice sociale libération prisonnier politique cependant ces parlementaires souhaitaient tout secteur mettez tout accord sous table pour capable joindre une grande alternative en côté Antonio Chirami, toujours dans le micro Romanès, ce samedi. Il y a un premier bagage qui est important, qui m'a dit. N'a parlé de conférence nationale. Si je parle de conférence nationale, je ne peux pas faire conférence nationale avec Zamim seulement. Faut me faire conférence, d'accord, je peux aller chita avec des groupes. Alors, l'homme de Zamim, je parle de classe politique là seulement. Faut que je regarde. Société civile là, faut que je regarde qui organisation doit mon yo, faut que je regarde différentes organisations syndicales, faut que je regarde toute entité, tout secteur de pays. Moi, aller dans l'accord Mariotte là, moi, je vais me joindre déjà une masse et mobilisation. Ça déjà un grand pas pour revenons qui c'est dialogue national. Mais je veux dire, c'est deux bagailles. C'est ou bien nous voulons dialogue national là, vraiment, ou bien nous parlons. Parce que si nous voulons vraiment, quel que soit agent ça y est, il faut que nous chita parler avec l'autre secteur. Il faut que nous chita pour nous tomber d'accord sur un bagaille. Et je pense que c'est un premier bagaille qui était intéressé. L'autre bagaille encore, c'est ensemble revendication, pas mieux. Ensemble de revendication matrice. N'a regardé là avec coordonnateur national lan qui c'est ancien député à de Bien-Aimé qui fait qu'on ait discussion après possible avec le gouvernement en place dans l'idée pour capable joindre un accord entre différents acteurs concernés pour qu'aucun document définitif d'après président d'après précision à de Bien-Aimé qui lui-même prévoit accord à mourir dans passage s'il n'est pas inclusif en ce moment à dire était attaché à un exécutif qui a deux têtes pour dire bien un président et un premier ministre en côté déclaration de Bien-Aimé dans le micro Radio Méga. On a gagné un premier ministre Ariel qui va le régler dans le téléphone. C'est nous parler, il m'a dit pour le rencontrer moi, et maintenant avec la théorie, pour éviter suspicion, nous dit que la rencontre là, il faut le faire devant nous. Et la rencontre là, il faut le faire, et la rencontre là, il faut le bailler sur l'autre rencontre qui était faite déjà, et il faut avoir une réunion avec le premier ministre là, dans la résidence officielle d'IA, côté nous autres, côté présents. Nous avons gardé la nécessité de mettre tout accord ensemble pour faire l'union accord unique et unitaire pour tout le monde capable de représenter, pour ne pas gagner de frustration, tout en restant accroché à la position par nous qui est l'exécutif bicéphale. Et c'est dans tout ce accord qui est déroulé, et pour le gagner, il y a un accord qui va venir pour notre travail sur un document pour nous être capables de présenter. Ben, nation. Et là, nous, les gens, nous avons des réseaux sociaux qui ont dit qu'il y a un accord qui signe, il y a des gens qui vont signer, il y a des gens qui signent, il y a des gens qui signent pour le céphale. Moi-même, jusqu'à date, à ce que je sache, nous ne pouvons pas comme dire qu'il y a un bagage qui confine déjà. Oui, nous travaillons sur un processus pour nous capables de venir un accord, mais c'est un accord unitaire. Oui, nous travaillons. Nous faisons deux journées de travail déjà. Nous avons cherché qui plus bonne formule pour nous capables de joindre un accord pour joindre une contention. Mais jusqu'à date, pour qu'on gagne un document définitif qui finit élaboré, parce que je dis encore, il faut que nous réunions pour gagner tout. Rassemblement contre impunité qui se mettait de charge au gain d'ouvre situation pays à côté insécurité à Taïbanda, côté autorité au paraître impuissant, coordonnateur City Saléonor, Rinaldo, critiqué certains membres dans l'opposition qui a le signé à quoi pour le ministre Ariel Henry, qui a d'après rassemblement contre impunité, c'est continuité. PHTK, côté Léonor, Rinaldo, Namiko, Jean-Philippe Masséon. Je dis à pas la vie dans le pays. Monde qui sorti dans le grand sud, monde sa yo, il n'y a pas de possibilité pour y aller dans le pays. Mais les gens qui sont dans le Grand Nord, je dis, là nous entendons Cité Soleil, route 9, et en plus de l'autre côté, quoi des bouquets. Je dis à la pandémie,
est-ce que vrai nous gagne des monde qui a dirigé nous? Lorsque nous considérer comportement zami nou yo qui était dans mouvement contre Jovenel ensemble avec nous. Nous dans qui point pays allié, dans qui point moun yo méchant. En pile un monde qui était dans la rue ensemble avec nous qui t'a demandé pour Jovenel aller. Je veux dire à qui ça nous remarquer? Il y a joint Ariel Henry pour qu'il négocie ministère, pour qu'il négocie gâteau. Tandis que Ariel c'est une continuité PHTK. Et en pile dans yo tout, m'a demandé avec qui figure, avec qui yeux yo gal garder population hein, qui était signé accord pour Lambert vin président. Avec toute tentative, toute agression Lambert li fait pour qu'il y ait dans palais national, et finalement lui il échoué, il pas capable. Et tout le monde sa yo qui t'a supporté Lambert, tout le monde sa qui t'a signé accord pour Lambert vin président, m'a demandé à qui yeux yo gal garder population. Rassemblement contre impunité, mandé population les mêmes mobilisé contre gouvernement ça qui capable régler qui pas régler rien dans pays. Léonard Ronaldo croit ces populations qui doit caliger pour joindre un accord politique qui n'a intérêt maslan pendant le rappeler PHTK pas qu'a fait partie aucune solution. Des forums haïtiennes pour un accord politique qui visait stabilité et la paix sociale qui proposait un accord politique dit qu'a permet pays à sortir dans trou noir l'y trouver jeudi là. Responsable forum là Valérie Dutreil Jacques encourager tout le monde qui déjà participé ou bien qui déjà dans l'autre accord quoi accord Montana accord KPM Ariel Henry pour rejoindre dans l'idée pour mettre tout accord ça en discussion pour sortir avec un seul véritable accord qui répond à des desiderata peuple haïtien. En côté Valérie Dutreil Jacques dans micro Alix Gauthier. Forum haïtien pour un accord politique visant la stabilité et la paix sociale. Son ensemble de constats que nous fait par rapport à ce qu'a prolongé sur ces pays. Nous fait constat de l'assassinat du président Jovenel Moïse, et qui malheureusement nous fait constat de et décès du président Cour de cassation, malgré le contesté. Nous faisons ensemble de constats. Nous fait constat que le Parlement qui est dysfonctionnel. Donc je dis à nous-mêmes en d'accord, nous proposer des pistes de solutions. Des pistes qui sont capables de permettre que pour nous retourner à l'ordre constitutionnel. Des pistes qui sont capables de permettre que pour nous poser problème et élection. C'est-à-dire que pour nous faire créer et pour nous faire élection libre, honnête, crédible, inclusive. Donc à ce moment, on a un accord, c'est que nous demandons pour que y ait une libération des prisonniers politiques sans faire obstacle à la justice. Nous demandons un accord et pour que y ait autonomie financière dans le ministère. Nous demandons un accord et pour que une commission interministérielle pour adresser problème Grand Sud, problème ni problème Grand-Est, moun qui était victime de séisme dévastateur là. En dans accord là, nous demandons pour que pour l'État capable arriver respecter fonction égalienne, c'est-à-dire mettre assistance sociale et pour population pour moun qui plus pauvre. Ça veut dire qui ça? Parce que nous conscients que jodi a rentré l'école là pour le fait, mais que des parents jusqu'à présent qui pas qu'arriver pour un canet petit yo, canet dans direction toujours. Donc, bref, c'est que en accord là, c'est vraiment des pistes patriotiques, c'est des pistes qui sont capables de permettre que bon retour à l'ordre constitutionnel, bon retour à la stabilité et la paix sociale qui s'est. L'autre dossier dans le journal, là, il y a un responsable de la direction protection civile qui fait qu'on est DPC fini avec la phase réponse urgence qui est pour la recherche et sauvetage. Qu'on est DPC dans la phase intermédiaire, ça le relèvement à reconstruction. D'après responsable DPC à Richard qui dresse bilan catastrophe en termes de 14 ans, dans la tempête Grace avec bilan action qui est posé. DPC enregistré à date 2248 moun qui mourit, 2763 3 blessés, 329 moun disparaît, 83 000 cailles endommagées, avec 53 000 lotes détruits, gain environ 21 convois qui sortent dans le coup, qui a assisté victime, yo, signe de quoi Jerry Chandler qui précisait gain 70 000 familles qui recevoir assistance en logement temporaire, produits alimentaires et latriers, pendant le fait qu'on est priorité, c'est relocaliser victime, yo. Jerry Chandler, t'es nommé que José Belamou. Nous finissons avec la première phase de réponse d'urgence, qui est la phase recherche avec sauvetage, donc première réponse. Là. Et là, nous passons dans une période intermédiaire, une période entre deux actions.
action que nous avons fait, qui était la première action de secours, la prochaine action qui est action de relèvement et de reconstruction. Donc là, pour le moment, nous avons mis temps de phase à yo. Dernier chiffre final, yo, c'est que nous avons eu, c'est malheureusement 2248 personnes qui mourent. Nous avons eu 12763 personnes qui blessés, 329 personnes qui jusqu'à présent portées disparues. Dans trois départements affectés, mais quand même, faut nous signaler que dans le département nord-ouest, il y a deux personnes qui mourent, bassin bleu. Catastrophe, ça a impacté directement 690 000 personnes, ce qui représentait à peu près 40% de la population grandance NIP avec Sud ensemble. 83 000 cas endommagés et nous avons 53 000 cas qui détruits. Nous avons l'hôpital, le centre de santé, l'établissement de l'école publique avec privé, nous avons pont, nous avons l'autre installation qui endommagée et qui prend frappe dans le cadre du tremblement de terre. Nous déployons volontaires nous dans tout, justement, différents départements. Nous avons des volontaires qui sont dans l'autre département pour venir bailler un fort et encore profiter pour nous capables de faire un gros coup de chapeau à tout le monde qui mettez main et qui fait travail colossal de accompagnement de population dans un moment difficile là. Il faut nous dire tout que en pile nan partenaires qui c'est des institutions étrangères locales mais aussi étrangères qui travaillent avec nous, tout est levé campé pour y être travaillé ensemble avec nous pour déployer sous terrain. Avancé avec l'autre information dans le journal Mega Matégué, ministère haïtien qui a vivre le bord de l'Oyo, qui signe hier jeudi 9 septembre 2021 un protocole cadre avec l'organisation haïtienne Diaspora Resources Worldwide. Intégration diaspora dans toute activité dans la vie nationale, la participation dans la vie politique paysan, droit pour voter, protéger droit tout ressortissant haïtien et la trier. C'est parmi points qui n'ont un protocole à consa, d'après ministre Judith Nazareth Auguste. Ministère te profite occasion pour annoncer dans ce cap venir l'Oyo. La Gepouli a le chita avec communauté diaspora encore pour garder dans l'OCIATI accord pour permettre que diaspora lui-même capable de jouer une place li dans une société en deux pays. En côté ministre Judith Nazareth Auguste dans micro Radio Mega. La construction du réseau d'échange permanent entre les Haïtiens de la diaspora. Il s'agit pour le ministère de stabiliser ses relations avec ces organisations et de leur donner la légitimité pour agir dans la diaspora. Chacune dans leur domaine, dans son domaine, pardon, d'intervention. La Fédération haïtienne de la diaspora a été la première à avoir signé un accord de coopération avec le MAV en août 2020. Aujourd'hui, nous avons donc le plaisir de recevoir la Haitian Diaspora Resources Worldwide, avec qui nous allons signer un nouvel accord cadre de partenariat. Elle est représentée par Mme Marina Gou, présidente et cofondatrice de l'organisation, et Dr. Jessie Pierre, secrétaire générale. Voici les grandes lignes de l'accord. Le MAV et la Haitian Diaspora Resources Worldwide conviennent d'étendre leurs contributions dans l'appui et l'accompagnement des organismes nationaux et internationaux dans l'accomplissement de leurs tâches relatives à l'intégration effective de la diaspora haïtienne dans toutes les sphères de la vie nationale. La promotion de la participation politique, incluant le droit de vote des Haïtiens de l'étranger et la double nationalité. Le renforcement de la protection et la défense des droits des ressortissants haïtiens et de leurs descendants. L'échange d'informations et de procédures permettant l'évolution des pratiques susceptibles de favoriser l'émergence de la diaspora haïtienne. Et voilà, ça c'est déclaration ministre haïtien qui a vécu le bord de l'Oyo, qui c'est Judith Nazareth Auguste. Une cofondatrice organisation qui c'est, n'a pas des organisations ça, qui c'est Haitian Diaspora Resources Worldwide, qui c'est Marina Goug, qui exprime satisfaction pour s'y attirer à Kosa entre Estritissa, qui a ministère, en face pour faire promotion pour intégration diaspora dans la vie politique paysan. Marina Goug a dit à Kosa après le permettre diaspora intégrer au plus toujours dans la question développement paysan. Pendant le premier pour continuer de travailler dans notre collègue ministère haïtien qui a vécu le bord de l'Oyo. Il rappelé il y a 18 mois depuis que tu as travaillé sous protocole à quoi ça vous dit bien, sous plateforme SILA. En écoutant Marina Goug, qui c'est cofondatrice, organisation qui c'est organisation haïtienne Diaspora Resources Worldwide, était dans le micro Radio Mega. C'est un plaisir pour moi de procéder à la signature ce matin de cet accord cadre de partenariat entre le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, le MAV, et la Haitian Diaspora Resources Worldwide, HDRWW. Donc, dans le cadre de cet accord, nous allons jouer notre rôle de citoyens engagés pour le pays, pour l'intégration de la diaspora. Nous aurons à jouer un rôle, comme a dit le ministre, dans les termes de l'accord, d'intermédiaire,
pour faciliter la diaspora dans ce qu'ils ont à faire de mieux pour le pays, les projets de développement, leur intégration, les faciliter beaucoup de choses. Donc c'est dans cet ordre d'idée. Depuis 18 mois, nous travaillons sur cette plateforme. Nous avons des réseaux à travers les États-Unis, certains pays d'Europe. Et c'est innovant parce que le bureau principal de cette plateforme se trouve en Haïti. Donc là, nous avons différents comités, santé, éducation, agriculture, sport, culture, communication. Donc nous pourrons offrir différents services à la diaspora à travers ces différents comités. Donc je remercie.